Donc ce serait moi sur un terrain de tennis avec une médaille devant tous mes proches. Salut, je m'appelle Charlotte Fairbank, j'ai 30 ans. Je suis joueuse professionnelle de tennis en fauteuil. Je fais partie de l'équipe de France et j'ai récemment participé aux Jeux paralympiques de Tokyo. On m'avait proposé d'essayer le tennis en fauteuil il y a 10-12 ans maintenant. Quelques temps après mon accident, j'ai complètement refusé parce que j'étais dans le déni de mon handicap. Mais 10 ans plus tard, je décide de commencer un sport en fauteuil parce que je voulais reprendre le sport. Je viens d'une famille qui est très sportive. J'hésite entre le basket et le tennis. Je choisis le tennis, je prends quelques cours et ça devient tout de suite une passion. C'est un tableau 32, mais les top 24 au niveau mondial sont qualifiés directement. Et puis, il y a des wildcards qui viennent après. Voilà, top 24 mondial, mois et demi, 3 mois avant les Jeux même, ce sera juin 2024. J'adore regarder l'athlée, les courses, le sprint surtout. Moi, j'étais sprinteuse avant mon accident et j'adore ça. Et sinon, la natation. Il me déplaît un petit peu, c'est le nombre de catégories qu'il y a. C'est vraiment difficile à comprendre pourquoi. J'étais une énorme nageuse et je faisais de la compète avant mon accident aussi. Et voilà, ouais, c'est les deux sports que je préfère. J'en choisirais deux. Bébé Bio, c'est une escrimeuse italienne, quadruple amputée. Je l'ai rencontrée d'ailleurs au jeu de Tokyo et je parle italien et donc j'ai un peu papoté avec elle et c'était vraiment un moment assez unique. Et l'autre personne, ce serait Shingo Kunieda, qui est numéro 1 mondial en tennis fauteuil. Bien sûr, choisi le tennis. Elle a gagné du coup la médaille d'or à Tokyo dans son pays, devant tout le monde et c'était incroyable. Il y a tellement de souvenirs, mais je pense que le plus beau souvenir en tant que spectateur, c'était voir mes collègues à moi, Stéphane Houdet et Nicolas Pfeiffer, gagner la médaille d'or en double. C'était incroyable. Potentiellement, Londres 2012, je pense que ça a vraiment mis en avant le mouvement paralympique, les sports paralympiques. Ils avaient créé une série qui s'appelait Superheroes. Ça a changé le regard qu'a le public sur les personnes en situation de handicap. Je veux dire Alex Portal, c'est un nageur qui a gagné, je pense, 2 médailles à ces Jeux de Tokyo. Et il m'impressionne, ce mec, parce que c'était ses premiers Jeux. Il a vraiment montré à quel point il avait un talent dans sa discipline. Et il est jeune en plus, enfin, voilà, il m'impressionne vraiment, donc je pense que ce serait intéressant de l'interviewer.